La stratégie des muscles face aux pirates commence peut-être à payer dans le golfe d'Aden. Pour la première fois, des soldats de l'OTAN ont pris d'assaut un cargo qui avait été détourné. Il a pu être récupéré sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Renaud Bernard. Le bateau danois croise depuis une semaine seulement dans la région et déjà une mission. Ce cargo slovène vient d'être piraté. L'équipage a pu donner l'alerte. C'est la première fois qu'une marine occidentale va donner l'assaut en haute mer. Durant l'opération, pas un seul coup de feu. Les pirates ont pris la fuite avant l'abordage. Les 25 marins sont sains et saufs. C'est la cinquième attaque des pirates somaliens à chaque fois dans le golfe d'Aden. Problème, c'est par là que transite 30% du pétrole mondial. Bilan depuis un an, sur 69 bateaux attaqués, 11 cargos restent retenus par les pirates. 245 marins sont toujours pris en otage. Parmi eux, Paul et Rachel Chandler, retraités britanniques enlevés il y a 3 mois. Voici une vidéo tournée par leur ravisseur. Paul Chandler y semble usé. J'en appelle à mon gouvernement. S'il vous plaît, sortez-nous de là. Je ne sais plus à qui me vouer. Je ne sais plus quoi dire. Les pirates réclameraient 4,5 millions d'euros de rançon. Officiellement, les autorités britanniques en ont fait un principe. Elles refusent de payer pour la libération de leurs otages.